Thank you, Jesus. Merci, Jésus. God bless you, my beloved. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. God is your strength. L'Éternel est votre force. The truth is this. La vérité est celle-ci. There is no how you will pass through deliverance program that something good will not happen. Il n'y a pas de raison que vous passez à un programme de délivrance sans que quelque chose de bien ne vous arrive. God will strengthen you. Dieu va vous soutenir. God is answering our prayers. Dieu exauce nos prières. God is answering your prayers. Dieu exauce vos prières. You are welcome to the second session. Vous êtes les bienvenus à la deuxième session. We are looking at a message I titled. Nous examinons un message que j'ai intitulé. Your foundation determines your destiny. Votre fondation détermine votre destinée. Your foundation determines your destiny. Votre fondation, votre fondement détermine votre destinée. We are going to read the book of Psalm 11, verse 3. Nous allons lire le livre de Psaume 11, verset 3. Let's close our eyes for prayer. Fermons les yeux pour la prière. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. We are here again. Nous sommes encore ici. Come and bless us. Viens et bénis-nous. Open our understanding. Ouvre notre intelligence. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Psalm 11, verse 3. Le Psaume 11, verset 3. Say, if the foundation be destroyed, quand les fondements sont détruits, what can the righteous do? Le juste, que ferait-il? If the foundation is destroyed, quand les fondements sont renversés, what can the righteous do? Le juste, que ferait-il? This is deliverance program. C'est un programme de la délivrance. You must listen. Vous devez écouter. So that you can know what you are praying for. Afin que vous sachiez ce que vous priez. And to know also why some certain things is happening. Et pourquoi certaines choses se produisent. So I want you to give me your ears to this message. Et je voudrais que vous me prêtiez votre oreille pour ce message. Because it will provide deep answers and understanding. Et cela va procurer des réponses profondes et de l'intelligence. To many questions that you have been asking. De la compréhension à beaucoup de questions que vous vous posez. My beloved, mes bien-aimés, if really you want to fulfill your destiny here on earth, si vous voulez vraiment accomplir votre destinée ici sur terre, and you want to make heaven, et vous voulez aller au ciel, there are things you must know. Il y a des choses que vous deviez savoir. There are things you need to understand. Il y a des choses que vous devez comprendre. About your foundation. Concernant votre fondement, votre fondation. There are do's and don'ts. Il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. If not, sinon, many people will continue in their suffering. Beaucoup de personnes continueront dans leur souffrance. I want to understand this. Je voudrais que vous compreniez cela. Being born again. Étant né de nouveau, or giving your life to Christ, ou bien ayant donné votre vie à Christ, does not end there. Ne s'arrête pas là. It helps you to prepare a ground for your deliverance. Cela vous aide à préparer le terrain pour votre délivrance. Some Christians preach that if any man be in Christ, is a new creature. Il y a beaucoup de chrétiens qui prêchent que si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. That you don't need deliverance. Donc vous n'avez pas besoin de délivrance. In the commencement, we read John chapter 1, verse 12. Au début, nous avons lu, au commencement, nous avons lu Jean chapitre 1, verset 12. That as many that have received, he has given them power to become the sons of God. Aussi nombreux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. You have been born again. Et né de nouveau. You have been given power. On vous donne la puissance. It is not left for you now. Maintenant, le choix vous revient to work out your salvation. Et d'œuvrer à votre salut.
to work out your deliverance. Devrait avoir délivrance. Listen to this. Écoutez ceci. Because this is where a lot of Christians got it wrong. Et c'est là que beaucoup de chrétiens ont cela faux. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. The past deed of your ancestors. C'est-à-dire les œuvres, les actions passées de vos ancêtres. And your own personal misdeeds. Et vos méfaits personnels. The consequences are still there. Les conséquences sont toujours là. Though God has forgiven you. Bien que Dieu vous ait pardonné. For example now. Par exemple. You have given your life to Christ. Vous avez donné votre vie à Christ. And in your family. Et dans votre famille. There's an evil covenant in place. Il y a une alliance maléfique en place. Or a curse. Ou bien une malédiction. If it's not broken. Si cela n'est pas brisé. There is a problem. Il y a un problème. If there is a renunciation. S'il y a un renoncement. To any occult group. À tout groupe occulte. And you did not break them. Et vous n'avez pas brisé cela. Or you did not renounce them. Ou bien vous n'avez pas renoncé à cela. It will affect the destiny of that person. Cela va affecter la destinée de cette personne. Because parce que there is a legal ground in place. Il y a un terrain légal en place. That is the issue. Ça c'est le problème. Il y a un droit. Because many people they have given their life to Christ. Parce que beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Christ. They are living a holy life. Ils mènent une vie de sainteté. They are doing their best. Ils font de leur mieux. They are working for God. Ils œuvrent pour Dieu. They are giving. Ils donnent, ils bénissent. They are asking questions. Et ces personnes se posent des questions. Why is my life still like this? Pourquoi ma vie est toujours ainsi? Because. Parce que. There is a covenant. Il y a une alliance. There is a curse. Il y a une malédiction. It's an hidden evil covenant. Il y a une alliance maléfique cachée. If it's not broken. Si cela n'est pas brisé. The person will continue to battle in life. La personne va continuer à se battre dans la vie. My beloved, mes bien-aimés, when you are being confronted with such a situation, lorsque vous êtes confronté à de telles situations, you have to look beyond the physical into the spiritual. Vous devez voir les choses au-delà du spirituel dans le physique. The spiritual aspect of it is your foundation. L'aspect spirituel de cela, c'est votre fondement, votre fondation. Listen. Écoutez. Everything that God created. Ça veut dire que toute chose que Dieu a créée has a foundation. A une fondation. What is foundation? Qu'est-ce que la fondation, le fondement? There are two types of foundation. Il y a deux types de fondation. The physical foundation. La fondation physique. That is the surface one. C'est la fondation de la surface. The spiritual foundation. La fondation spirituelle. Is the hidden one that you cannot see with your eyes. C'est la fondation cachée que vous ne pouvez pas voir de vos yeux. The spiritual foundation. La fondation spirituelle. Is this? Et celle-ci? Man is a spirit. L'homme est esprit. Soul that live in a body. Une âme qui vit dans un corps. The spirit controls the body of a man. Donc l'esprit contrôle le corps de l'homme. I'm praying. Et je prie. That God will give you understanding. Que Dieu vous donne l'intelligence, la compréhension. That anything in your foundation. Que toute chose dans votre fondation. That is working against your destiny. Qui œuvre contre votre destinée. Shall die in the name of Jesus. Mourra au nom de Jésus. So the spirit controls the body of a man. Donc l'esprit contrôle le corps de l'homme. Your foundation. Votre fondation. The physical foundation. La fondation physique. Number one. Numéro un. Your parents. Vos parents. The person who gave birth to you. Les personnes qui vous ont donné la naissance, qui vous ont mis au monde. Your ancestors. Vos ancêtres. The person that gave birth to your parents. C'est-à-dire les personnes qui ont mis au monde vos parents. The kind of life that they live.
le type de vie qu'ils ont vécu will affect your own life. Cela va affecter votre propre vie. They are your foundation. C'est votre fondation. The manner of your conception is your foundation. C'est-à-dire la manière dont vous avez été conçu, c'est votre fondation. Where you were born, the land is your foundation. Là où vous êtes né, le pays, c'est votre fondation. Who took your delivery is your foundation. Et la personne qui a effectué votre accouchement, c'est votre fondation. All these things are very, very important. Et toutes ces choses sont très importantes. Whatever transpired when you were in the womb. Qu'est-ce qui a transparu lorsque vous étiez dans le ventre? What kind of food you were eating or fed with? Quel type de nourriture on vous donnait quand vous étiez dans le sein maternel? What kind of voices you were hearing when you were there? Quel type de voix vous entendiez quand vous étiez dans le sein maternel? Your placenta. Votre placenta. How did they dispose your placenta? Qu'est-ce qu'ils en ont fait de votre placenta? These are very, very important. Et ça, ce sont des choses très importantes. There are placenta of people that was disposed spiritually or with sacrifice. Ou bien il y a le placenta des gens qui ont été utilisés spirituellement ou pour des sacrifices. Who took your bath? Et qui a pris votre eau de bain? Who took your bath? Oui, qui a fait votre bain? Yes. Where is the sponge and the water? How did they dispose it? Oui, c'est-à-dire l'eau et l'éponge qu'on a utilisé pour vous laver. What were you dedicated to? Vous avez été consacré à quoi? All this is very, very important. Et tout ça là, ce sont des questions très importantes. Who gave you your name and what is the meaning of your name? Et qui vous a donné votre nom et quelle est la signification du nom? Who are your parents? Qui sont vos parents? Are they really your parents? Est-ce que ce sont vos vrais parents? I'm not talking about adoption. Je ne parle pas de l'adoption. All this is very, very important. Toutes ces choses sont importantes. Spiritual foundation. La fondation spirituelle is something that happened before or after you were born. C'est quelque chose qui se passe avant ou après que vous soyez né. That you were unconscious about. Et vous êtes ignorant, inconscient de cela. Something you did not see or you cannot see. Quelque chose que vous ne pouvez pas voir ou bien que vous n'avez pas vu ou bien que vous ne pouvez pas voir. I'm praying for somebody here. Et je prie pour une personne ici. Any hidden evil in your foundation. Tout mal caché dans votre fondation. That is working against your life now. Et qui œuvre contre votre vie présentement. Shall die in the name of Jesus. Mourra au nom de Jésus. Shall die in the name of Jesus. Mourra au nom de Jésus. Shall die in the name of Jesus. Mourra au nom de Jésus. Shall die in the name of Jesus. Mourra au nom de Jésus. So a foundation is. Donc la fondation est. Is the basic on which something depends on. C'est une base sur laquelle quelque chose dépend. The base on which it stands. La base sur laquelle la chose se tient. The base on which it rests. La base sur laquelle la chose repose. Foundation. La fondation. Is the part of the building. C'est une partie du bâtiment. That transfer and distribute the weight of the building. Qui transfère ou qui distribue le poids du bâtiment. According to the ground. Selon le sol. Foundation. La fondation. Is the underground structure. C'est la structure du sous-sol. In a building to support the building. Et qui permet de supporter, de tenir le bâtiment. You cannot see it. Vous ne pouvez pas voir cela. The foundation. La fondation is that upon which anything is founded. C'est cette chose sur laquelle tout est trouvé. That on which it stands. Et sur laquelle cette chose tient. And that on which is rested. Et sur laquelle cette chose repose. When we say somebody is the founder of something. Lorsque nous disons que quelqu'un est le fondateur de quelque chose. When we say somebody is the founder of something, lorsque nous disons que quelqu'un est le fondateur de quelque chose, that means cela signifie that person has been used to bring such a thing into existence.
C'est-à-dire que cette personne amène à l'existence cette chose. Now listen. Maintenant, écoutez. So your existence. Donc votre existence. Your existence. Votre existence. Is a result of your foundation. C'est le résultat de votre fondation. The question is this. La question est la suivante. What is your life founded on? Votre, c'est-à-dire en fait, votre vie est fondée sur quoi? What is your life standing or resting on? Votre vie tient ou repose sur quoi? It is very important. Et cela est très important. Our ancestors, they did not serve God. Nos ancêtres n'ont pas servi Dieu. If your father was an herbalist, a fetish person, an idolater. Si votre père est un féticheur, un marabout ou un idolâtre. If you came from a polygamous home, ou bien vous venez d'un foyer polygame, you have a faulty foundation. Vous avez une fausse fondation. Evidence that something is wrong with the foundation. Les preuves qui montrent que quelque chose est solide à la fondation. What is the evidence that something is wrong with the foundation? Quelle est l'évidence, la preuve que quelque chose ne va pas avec la fondation? Or how do you know that you came from a polluted foundation or a wrong foundation? C'est-à-dire, cela vous permet de savoir que vous venez d'une fondation polluée ou bien d'une fausse fondation. Number one. Numéro un. Evil family pattern. Le modèle maléfique familial. Number two. Numéro 2. Failure or disappointment at the point of breakthroughs. Donc l'échec et la déception au seuil des percées. Thought of act of suicide. Les pensées de suicide. Inexplicable marital problems. Les problèmes maritaux inexplicables. Bed wetting. Faire pipi. Bed wetting. Faire pipi au lit. Six. Strange accidents. Les accidents étranges. Violent death. Des morts violentes. Sexual problems. Les problèmes sexuels. Abnormal life. Une vie anormale. Unrestrained anger. Une colère incontrôlable. Talkativeness. Le bavardage. Inner anguish. L'angoisse interne. Unrestrained recklessness. C'est-à-dire l'agitation qu'on ne peut pas contrôler. Be depressed and unhappy. Être dépressif et non content. Strange sickness. Des maladies étranges. Always see yourself in your place of birth. Vous voyez chaque fois votre lieu de naissance. Or where you have walked before, lived before, in your dreams. Dans votre rêve. Attacked by masquerade in the dream. Être attaqué par les masques dans les rêves. Sex and water spirit dreams. Les rêves sur le sexe et l'esprit des eaux. These are some of evidence that something is wrong with the foundation of that person. C'est l'évidence, la preuve que quelque chose ne va pas avec la fondation d'une personne. I'm praying for you. Et je prie pour vous. Anything in your foundation. Toute chose dans votre fondation. That is troubling your life and your children. Qui trouble votre vie et celle de vos enfants. As you are saying amen now. Quand vous répondez amen à cela. They shall die. 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 In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Now. What are the consequences of a bad foundation? Quelles sont les conséquences d'une mauvaise fondation? There's a consequence. What are the consequences? Quelles sont les conséquences? Number one. Numéro un. It leads to spiritual blindness. It leads to spiritual blindness. Cela conduit à la cécité, à l'aveuglement spirituel. The person will not be able to be seen spiritually. La personne ne peut pas voir spirituellement. There is something in his foundation. Il y a quelque chose dans sa fondation. Number two. Numéro deux. Unable to achieve or go beyond a desired goal in life.
C'est-à-dire incapable d'atteindre ou bien d'aller au-delà des objectifs, des buts dans la vie. Spirit of Pisgah. Selon ce que vous désirez. L'esprit de Pisgah. Spirit of Pisgah. L'esprit de Pisgah. Seeing but not able to attain it. C'est-à-dire voir mais ne pas pouvoir atteindre cela, ne pas pouvoir obtenir cela. Conspiracy against the person in his place of blessing. C'est-à-dire la conspiration contre la personne à son lieu de bénédiction. Sudden problem. Des problèmes soudains. That was not there before. Qui n'existait pas auparavant. Number 6. Numéro 6. Having people in good position. Avoir des gens qui sont dans une bonne position. But they refuse to help. But they refuse to help. Mais ils refusent de vous aider. Number 7. Numéro 7. Going for a second wife or a husband. C'est-à-dire épouser une deuxième femme ou bien se épouser un homme, c'est-à-dire se marier pour la deuxième fois, quoi. It's a consequence. These are consequences of a bad foundation. Ça, ce sont les conséquences d'une mauvaise fondation. Number 8. Numéro 8. When Peter is marrying Peter. Lorsque Pierre épouse Pierre. Or Mary is marrying Mary. Ou bien Marie épouse Marie. That is what do you call them? Homosexual and lesbians. Ça, c'est l'homosexualité, le lesbianisme. How can a man marry a man and a woman marry a woman? Comment un homme peut épouser un homme et puis une femme une femme? We will discover that in their foundation, there was something like that. Vous allez découvrir que dans leur fondation, il y a quelque chose de pareil. It's a spirit of idolatry. C'est l'esprit d'idolâtrie. Number nine. Numéro 9. When a pastor. Lorsqu'un pasteur, a firebrand pastor, un pasteur en feu, un pasteur brillant, suddenly he became an herbalist. Et devient soudainement un féticheur. He began to practice magic and sorcery. Il commence à pratiquer la magie et la sorcellerie. There is something in their foundation. Il y a quelque chose dans leur fondation. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. A bad foundation. A bad foundation. Une mauvaise fondation. Fatalize problem. Fatalize problem. Fertilise les problèmes. It will strengthen the enemies. Cela va fortifier l'ennemi. It causes evil reinforcements. Et cela cause le renforcement humain. It causes premature death. Cela cause le renforcement maléfique et la mort prématurée. My beloved. Mais bien aimé, the person can never go far. La personne ne peut pas aller loin. The person may be making progress. La personne fait du progrès. At the end of the day, et à la fin de la journée, he will find that he has not moved at all. Et la personne va se rendre compte qu'elle n'a pas du tout avancé. The point I am making. Ce que j'essaie de développer, your life can only sustain as much prosperity as your foundation will allow. Votre vie ne peut supporter autant de prospérité que ce que votre fondation permet. The trouble is this. Le problème est ceci. The foundation of many people. La fondation de beaucoup de personnes is made up of components that are abomination to God. Et cela peut conduire. The trouble is this. Le problème est le suivant. The foundation of many people. La fondation de beaucoup de gens. Is made up of components that are abomination to God. Ok, cela est composé de choses qui sont des abominations devant Dieu. You cannot build a lasting prosperity. Vous ne pouvez pas bâtir une prospérité durable. Upon a polluted foundation. Sur une fondation polluée. And pray for you. Et je prie pour vous. Anything in your foundation that is working against your life now. Tout chose dans votre fondation qui œuvre contre votre vie maintenant. Shall die in the name of Jesus. Mourra au nom de Jésus. Shall die in the name of Jesus. Mourra au nom de Jésus. What is the way out? Quelle est la voie de sortie? You need a genuine repentance. Vous avez besoin d'une repentance de qualité. Follow God and let Him take your hand. Follow God and let it take your hand.
Suivez Dieu et laissez-le vous prendre par la main. Use the power he has given to you. Utilisez la puissance qu'il a impartie en vous. Make a restitution if there is any. Et vous devez faire la restitution s'il y en a une affaire. We are going to pray. Nous allons prier. We are going to pray. Nous allons prier. Close your eyes. Fermez les yeux. We're going to ask God. Demandez à Dieu to empower you and forgive you any sin that can stand as a hindrance to your prayers. De vous fortifier et de vous pardonner tout péché qui peut se dresser comme un obstacle à vos prières. Yes. Oui. Talk to God. Parlez à Dieu. Talk to God. Parlez à Dieu. Talk to God. Parlez à Dieu. Deliver me. Deliver me. Délivre-moi, délivre-moi. Deliver me, oh Lord. Délivre-moi, oh Seigneur. By your power. Par ta puissance. By your power. Deliver me, oh Lord. Délivre-moi, oh Seigneur. Are you ready? Êtes-vous prêt? Deliver me, deliver me. Deliver me, oh Lord. By your power, by your power. Deliver me, oh Lord, deliver me, oh deliver me, deliver me, oh Lord, deliver me, oh deliver me, oh Lord, deliver me, oh deliver me, oh Lord, délivre-moi, Seigneur, deliver me, oh Lord. Amen. Amen. You will not pray like this. Vous allez prier ainsi. Say every hidden evil covenant and curses. Toute alliance maléfique cachée. Et malédiction of my father's house, de la maison de mon père, of my mother's house, de la maison de ma mère. Break! Brisez-vous in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Open your mouth. Ouvrez la bouche. Use your two hands. Utilisez les deux mains. Break it. Brisez break. Cela. Brisez. Break. 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 Break. Brisez. Brisez. Do it faster. Do it faster. Faites-le rapidement. Do it faster. Faites-le rapidement. Do it faster. Faites-le rapidement. Break, brisez, 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 et les malédictions of your father's house, de la maison de vos pères, of your mother's house, de la maison de vos mères, troubling your life, et qui troublent vos vies, be broken out, que cela soit be brisé, que cela soit be brisé, que cela soit be brisé, que cela soit use brisé, your hand, use your hand, utilisez, your hand, les mains, utilisez les deux mains, do it faster, faites-le rapidement, do it faster, faites-le rapidement, do it faster, faites-le rapidement, do it faster, faites-le rapidement. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. The powers in my foundation. Dites pouvoir dans ma fondation. That hate marriage. Qui déteste le mariage. Now attacking my marriage. Et qui maintenant attaque mon mariage. Mourez. Au nom de Jésus. Ordonnez au pouvoir de mourir. That power that doesn't want to get married. Et ce pouvoir qui ne veut pas que vous vous mariez. That power that doesn't want to have a settled home. Et ce pouvoir qui ne veut pas que vous ayez un foyer heureux. Die in the name of Jesus. Mourez au nom de Jésus. Mourez. Vous ce pouvoir. Mourez. Open your mouth. Ouvrez grandement la bouche. Talk to God. Say anything hiding in my foundation. Toute chose qui se cache dans ma fondation. Troubling my destiny. Et qui trouble ma destinée. Troubling my marriage. Qui trouble mon mariage. Troubling my life. Qui trouble ma vie. Da. Meurs. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Da. Meurs. Da. 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 Ouvrez la bouche grandement. Répétez cela. Anything hiding in your foundation. Toute chose qui se cache dans ma fondation. That is troubling your life now. Qui trouble votre vie maintenant. Troubling your destiny. Et qui trouble votre destinée. Da. Meurs. Yes. Oui. Commandez to die. Ordonnez que cette chose meure.
Ordonnez que commandé cette chose to die. meure. Commandé Ordonnez que to cette die. chose meure. Commandé to die. Ordonnez que cette chose Commandé to meure. die. Da, Ordonnez da, que cette da, chose da, meure. da, 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 Open your mouth, open your mouth. Ouvrez la bouche, ouvrez don't be la tired, bouche, don't be tired. Ne soyez pas fatigué. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Say, every pollution in my foundation. Toute pollution dans ma fondation. Say, every pollution in my foundation. Toute pollution dans ma fondation. Trouble in my life and my destiny. Trouble ma vie et ma destinée. Da! Meurs. In the name of Jesus, da. Jésus, in the name meurs. Of Jesus, da. Da, 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 da. Don't be tired. Don't be tired. Don't be tired. Open your mouth. 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 Talk to God. Talk to God. Say it. Shout it. Shout it. Shout it. Shout it. Shout it. Say it. Say it. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Stand up if you are not on your feet, please. Et si vous n'êtes pas debout, mettez-vous debout, s'il vous plaît. I want to rise up. Mettez-vous debout. You pray this one aggressively. Vous allez faire cette prière avec Say, aggressivité. Every seed of witchcraft. Toute semence de la sorcellerie. In my foundation. Dans ma fondation. Say, every seed of witchcraft. Toute semence de la sorcellerie. In my foundation. Dans ma fondation. Da! Meurs. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Da! Open your mouth. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Every evil covenant. Toute alliance maléfique. Between me and the idol of my father's house. Entre les idoles de la maison de mon père et moi. Between me and the idol of my mother's house. Entre les idoles de la maison de ma mère et moi. That is hindering my glory. Et qui empêche, qui bloque ma gloire. Break and release me now. Brise-toi et libère-moi maintenant. Break and release me now. Brise-toi et libère-moi In the name maintenant. Of Jesus, open your mouth. Ouvrez la bouche. Open your mouth. Ouvrez la bouche. Separate yourself. Oui. Séparez-vous from de that idol spirit. Séparez-vous de l'esprit d'idole. Of your father and your mother's house. De la maison de votre père et Break de la maison covenant. De votre mère. Brisez Break cette alliance. Covenant. Brisez cette alliance. Brisez et qui empêche, bloque votre gloire. Que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, soit brisé, soit brisé, Séparez-vous de ces idoles. In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Stand like a soldier now. Mettez-vous debout comme un soldat. Pray this prayer very well. Et faites cette prière très bien. Say, idols of my father's house. Dites idoles de la maison de mon père. Say it very well. Répétez cela très Say, bien. Say, idols of my father's house. Idoles de la maison de mon père. Demons of my father's house. Démons de la maison de mon père. That has fell in love with me. Qui sont tombés amoureux de moi That have become my spiritual spouse. Et qui sont devenus mes époux spirituels Now living inside my body. Et qui vivent maintenant au-dedans de moi to trouble my life and my destiny. Pour troubler ma vie et ma destinée In the name of Jesus. Au nom de Jésus Begin to shake your body now. Et commencez à secouer votre corps. Don't say anything. Ne dites plus rien. Shake your body. Secouez le corps. Shake your body. Secouez. Do it aggressively. Faites-le avec agressivité. Yes. Secouez le corps. Yes. Secouez. Oui. That
idol of your father's house. Ces idoles de la maison de vos pères. That demon of your father's house. Les démons de la maison de vos pères. That has fell in love with you. Et qui sont tombés amoureux de vous. Now become a spirit husband. Et qui devient le mari esprit. Now become a spirit wife. Et qui devient la femme esprit. Living inside your body. Et qui vivent dans votre corps. Troubling your life. Et qui trouble votre vie. Come out now. Sortez from that body. De ce corps. Come out now. Sortez come maintenant. Out now. Sortez. Come 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 out. Sortez. Wherever you are hiding. Partout vous vous cachez. In the breast. Dans le sein. In the womb. Les entrailles, l'utérus. In the vagina. Dans le vagin. In the head. Dans la tête. In the waist. La poitrine. Come out. Sortez. Come out. Sortez. Come out. Sortez. Come out. Sortez. And let her go. Et laisse la partie. Let it go. Laissez la partie. Let her go. Laissez-le partir. Let it go. Laissez la partie. Laissez-le partir. Be loose. Partir. Be loose. Oui, soyez libéré. Soyez libéré. Soyez libéré. Be loose. Soyez libéré. Soyez libéré. Be loose. Soyez libéré. Look at the idol. Oui, regardez les idoles. Look at the demons. Regardez les démons. They are packing their loads. Oui, ils sont en train de faire bagage. They are packing their property. Ils reprennent leur bien. They are packing their loads. They are coming out. Ils reprennent leur propriété. Ils sortent. Ils sortent. Ils sortent. Ils sortent. Ils sortent. Out. 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 Jesus. 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 In Jesus' mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Sound like a soldier now. Maintenant, tenez-vous debout comme you will say like this. Vous allez dire ceci. Say, you my glory. Toi ma gloire. You my original. Toi mon original. What are you doing in the couvent of the witchcraft of my father's house? Qu'est-ce que tu fais dans le couvent de la sorcellerie de la maison de mon père? Please pray this prayer very well. Bien-aimé, faisons très bien cette prière. Say, you my glory. Toi ma gloire. You my star. Toi mon étoile. You my original. Toi mon original. What are you doing in the couvent of witchcraft? Que faites-vous dans le couvent de la sorcellerie? Of my father's house. De la maison de mon père. Of my mother's house. De la maison de ma mère. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Right there where you are standing now. Là où vous êtes debout. Begin to jump out. Commencez à sautiller. Begin to jump up. Commencez à sautiller. Begin to jump up. Commencez à sautiller. Stay in one position. Oui, restez dans une position. Begin to jump up. Et sautiller maintenant. As you are jumping up. Et en sautillant. You are coming out. Vous sortez de là. From that couvent. Vous sortez de ce couvent. Of that witchcraft. De la sorcellerie. Of that wizard. De la sorcellerie. Of your father. Of your father's house. Of your father's house. De la maison de votre père. Of your mother's house. De la maison de votre mère. Come out. Sortez. You are coming out. Vous 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 sortez. You must come out. Vous devez sortir de là. With your glory. Avec votre gloire. With your children. Avec vos enfants. With your wealth. Avec vos biens. With your marriage. Avec votre mariage. With your original. Avec votre original. Do it very well. Do it very well. Do it very well. Faites-le très bien. Do it very well. Oui, faites-le très bien. Come out. Sortez. Come out. Sortez. Come out. Sortez. Look at it. You are coming out. 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 Vous sortez receive de your là. Deliverance. Receive your 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 deliverance. Receive it. 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 Look at it. Look at your glory. Look at your glory. Voyez votre gloire. Look at your glory. Voyez votre gloire. Look at your original. Your original. Votre original. Look at your original. They are coming out. Votre original. They are coming out. 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 Look at your glory that have been kept for years. Regardez votre gloire qui a été retenue pendant des années. Your glory is coming back to you now. Oui, votre gloire vous revient. Look at your glory is coming back. Oui, votre gloire. It's coming back. Retourne vers vous maintenant. The witchcraft power that has been flying with your glory. Le pouvoir de la sorcellerie qui vole avec votre gloire. Is dead now. Est mort maintenant. Is dead now. Est mort. Is dead now. Is dead now. Is dead now. Collect back your glory. Collect it back. Reprenez votre gloire. Collect it back. 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 Reprenez votre gloire. Ma pauvre que bosse que marébo. Rama bose ke mare bore 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 bore.
Thank you, Jesus. Thank Merci, you, Jesus. Jésus. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Stand like a soldier. Lève-vous comme un soldat. Something must happen today. Quelque chose doit se passer aujourd'hui. You will say like this. Vous allez dire ceci. Say every hidden evil covenant. Toute alliance maléfique cachée. Between me and my father. Entre mon père et moi. Between me and my mother. Entre ma mère et moi. Between me and my grandmother. Entre ma grand-mère et moi. Between me and my grandfather. Entre mon grand-père et moi. Between me and my uncle and my auntie. Entre mes oncles, mes tantes et moi. That is the prayer. Are you ready now? Ça c'est la prière. Something is going to happen now. Quelque chose va se passer. When you say it. Après avoir dit cela. You keep silence. Vous gardez silence. And you begin to use your two hands to break it. Et vous allez utiliser les deux mains pour briser cela. And the power of God is going to come upon you. Et la puissance de Dieu surviendra sur vous. There will be a recovery. Il y aura un recouvrement, une récupération. Are you ready now? Êtes-vous prêt? Say hidden evil covenant. Alliance maléfique cachée. Between me and my father. Entre moi et mon père. Between me and my mother. Entre moi et ma mère. Between me and my grandmother. Entre moi et ma grand-mère. Between me and my grandfather. Entre mon grand-père et moi. Between me and my uncle. Entre mes oncles et moi. Between me and my auntie. Entre mes tantes et moi. Tying down my original. Et qui lie mon original. To the valley. À la vallée. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You get to use your hands now. Utilisez les mains. Break it now. Brisez cela. Don't say anything. Ne dites plus rien. Use your hands. Utilisez les Do mains. Do it faster. Oui, faites-le rapidement. Break that hidden covenant. Oui, brisez cette Break alliance. It. Brisez Break la. It. Brisez la, break it, break it, break it, la, break it. Do it faster. Oui, faites-le rapidement. Do it faster. Faites-le Do it faster. Faites-le Do it faster. Do it faster. Faites-le rapidement. The spirit of your father. L'esprit de votre père. The spirit of your mother. L'esprit de votre mère. The spirit of your grandparents. L'esprit de vos grands-parents. Especially the one of your grandmother. Surtout l'esprit de votre grand-mère. The spirit of your uncle and your aunties. L'esprit de vos oncles et de vos tantes. Living inside of you. Qui vivent en vous. That have overshadowed you. Et qui vous ont enveloppé. Tying down your original. Et qui lie votre original. Is coming out from you now. Cela sort de vous maintenant. Come out. Sort. 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 Come out. Uh-huh. You can't stay inside of her. You can't stay inside of her. Tu peux pas rester demeurer au dedans d'elle. You can't stay inside of him. Non, tu peux pas rester au dedans de lui. Come on. Let her go. 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 Laisse-le partir. Let it go. Come out from her. Laisse-le sortir. Come out. Come out. Sors. Come out. Sors d'elle. Come out. Sors come d'elle. Out. Come out from sors. Him. Sors de lui. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Sors. That is the power of God. Ça c'est la puissance de Dieu. He's delivering you from that spirit of your grandmother and your mother. Qui vous délivre de l'esprit de votre grand-père et de votre grand-mère. Yes, come out. So, be delivered. Soyez délivré. Be delivered. Be delivered. Soyez délivré. That evil transfer. Ce transfert maléfique. That they transferred into your life. Qu'ils ont transféré dans votre vie. Be flushed out by the blood of Jesus. Que cela soit évacué be par le sang de Jésus. Que cela soit be évacué par le sang de Jésus. Be que cela soit évacué par le sang de Jésus. Problem like father, like son. Les problèmes de tel père, tel fils. Problem like mother, like daughter. Les problèmes de telle mère, telle fille. Attached to your life. Attaché à votre vie. Da. It's happening. Cela se passe. You must receive a new foundation. Vous devez recevoir une nouvelle fondation. You must receive a new foundation. Vous devez recevoir une nouvelle fondation. Your life must be better than this. Votre vie doit être meilleure Your que celle-ci. Your life must be better than this. Votre vie doit être meilleure que celle-ci. Every evil load. Tout fardeau maléfique of your father's house, de la maison de votre of père, your mother's house, de la maison de votre mère, of your grandparents, de vos grands-parents, in your body, dans votre corps, in your life, dans votre vie, that is weighing you down, et qui vous appesantit. Cache fire. Prends feu. Prends feu. Que cela prenne feu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Jesus. Jésus. That power that pursued your parents. Ce pouvoir qui a poursuivi vos parents. That defeated your parents.
Ces pouvoirs qui ont poursuivi vos parents, qui ont vaincu vos parents. That limited your parents. Et qui ont limité vos parents. That killed your parents. Qui ont tué vos parents. I command that power to lose their hold over your life. J'ordonne à ces pouvoirs de perdre leur emprise lose sur your votre vie. Lose your hold. Perdez votre emprise. Perdez votre emprise. Perdez votre. Lose your hold. Perdez votre. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. It's happening. Cela se passe. It's happening. Cela se passe. It's happening. Cela se passe. Cela se passe. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you Jesus. Thank merci Jésus. Thank you Jesus. Merci Jésus. Jesus mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus nous avons prié. C'est evil cage of my father's house. Cage maléfique de la maison de mon père. Of my mother's house. Cage maléfique de la maison de ma mère. Let me go. Laissez-moi partir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Open your mouth. Ouvrez la bouche. Say it. Dites-le. Let me go. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Let me go. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Open your mouth. Open your mouth. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Dites-le. 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 Ouvrez la bouche and begin to thank God et commencez à remercier Dieu for what he have done. Pour ce qu'il a fait. In Jesus mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus nous avons prié. There shall be no regrouping. Il n'y aura pas de regroupement. No reinforcement of darkness against this prayer. Le renforcement des ténèbres contre cette prière. In Jesus mighty name we pray. Au nom puissant de Jésus nous avons prié. Bring out your bottle of oil and water. Sortez vos bouteilles d'eau et d'huile. Bring it out now. Sortez-les. Bring it out. Sortez-le. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. I decree by the decree of heaven. Je décrète par les décrets des cieux. Let this bottle of olive oil and water. Que ces bouteilles d'huile d'olive et d'eau. In the hands of your people. Dans les mains de ton peuple. Become the power of God here on earth. Et que devienne la puissance de Dieu sur terre. Become Holy Ghost fire. Devienne le feu du Saint-Esprit. Become the blood of our Lord Jesus Christ. Devienne le sang du Seigneur Jésus Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I pray. Je prie. That let the power of God. Que la puissance de Dieu. For signs and wonders. Pour des signes prodiges. For breakthrough. Pour des percées. For healing. Pour la guérison. For deliverance. Pour la délivrance. Enter into this oil and water now in the name of Jesus. Entre dans ces huiles et ces eaux au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lord, anoint this oil and water with your anointed oil and water. Père, oint ces huiles et ces eaux avec ta propre onction et ta propre eau d'onction. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, wonderful Father. Merci, Père merveilleux. Because you have answered this prayer. À cause de l'exaucement des prières. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bring out your prayer letters now. Maintenant, sortez vos requêtes de prière. Bring it out. Sortez-les. Father, I pray on this prayer letters. Père, je prie sur ces requêtes de prière. By the decree of heaven. Par les décrets des cieux. By the power that created the heaven and the earth. Par la puissance qui a créé les cieux et la terre. Let these prayer letters. Que ces requêtes de prière. Bring you testimonies. Apporte des témoignages. Victory. La victoire. Breakthroughs. Les percées. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, wonderful Father. Merci, Père merveilleux. In Jesus' mighty name, we pray. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. So keep it now. Maintenant, mettez-les de côté. We are still going to pray on it by 12 p.m. today. Et nous allons prier sur cela à 12 heures. So we'll be meeting by 12 p.m. Nous allons nous retrouver à 12 heures. À midi. Yes, but for the next session. Pour la prochaine session. God bless us. Que Dieu nous bénisse. Let's share the grace in fellowship. Partageons la grâce ensemble. The grace for our Lord que Jesus la grâce Christ, de notre Seigneur Jésus Christ, the love of God, l'amour de Dieu, and the sweet fellowship la communion du Saint Esprit, be with us now soit forever, avec nous tous. Surely, oui. God goodness and mercy le bonheur et la grâce nous accompagneront tous our les life jours de notre vie. And et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de Amen nos jours. Amen. Let's shout
Seven Alleluia. Nous allons crier sept Alleluia. 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 Alleluia.